Alors aujourd'hui, dans le cadre de notre cours d'histoire des arts et de votre cours de géographie sur la Picardie, nous allons faire un cours sur Séraphine de Senlis. Vous connaissez Séraphine de Senlis ? Bon, taisez-vous ! Si vous ne vous intéressez pas un minimum à ce cours, vous aurez un devoir noté pour demain matin, première heure. Alison ? Elle est née où ? Alors, elle est née à Arcy, dans l'Oise. Vous connaissez peut-être Arcy, c'est sur la route quand on va vers Compiègne. Et bon, Raphaël, là, vous ne prenez pas en note ? Allez ! Oui, Sarah ? Comment a-t-elle appris à peindre ? Alors, c'est une bonne question, parce que Séraphine, c'est une autodidacte. Est-ce que vous savez ce que c'est une autodidacte ? Oui, Alexis ? C'est quelqu'un qui a appris par lui-même à faire sa profession. Oui, voilà, c'est ça. En fait, Séraphine, elle n'a fait aucune étude. En 1901, quand elle sort du couvent dans lequel elle a travaillé comme femme de ménage, elle se met à peindre. Et elle devient femme de ménage de Wilhelm Oude en 1912. Et c'est à ce moment-là qu'elle va vraiment développer son activité artistique en dehors de ses heures de travail, évidemment. Les premières œuvres de Séraphine de Senlis représentent de petites natures mortes composées de fruits accrochés à des branchages. Sa palette de couleurs est alors restreinte, mais elle fabrique déjà ses propres mélanges en diluant des agents colorants dans du ripolin blanc acheté à la droguerie Duval à Senlis. Et à ce propos, vous vous souvenez de votre TP de SVT sur les pigments ? Oui. Oui. Je vous ai distribué la feuille de TP. Donc ça, c'est de la terre de sienne. Donc on a du noir de fumée. On a ici donc le pigment jaune qui correspond à de l'oxyde de fer. Séraphine, pour créer ses pigments, se sert d'éléments minéraux comme la terre de sienne pour faire du jaune, le noir de fumée pour le noir et l'oxyde de fer pour le marron. Elle utilise également des cochenilles pour obtenir la couleur rouge. Elle écrase tous ces éléments et les mélange à un solvant. Et pour finir, ils sont chauffés et séchés. Alors en 1912, Séraphine devient la femme de ménage de Wilhelm Oude. Il découvrira très rapidement qu'elle consacre le reste de son temps à la peinture et l'encouragera à continuer dans ce sens. Malheureusement, ils sont séparés à cause de la Première Guerre mondiale, puisque Wilhelm Oude est allemand, donc du fait de sa nationalité, il retourne dans son pays natal. Mais c'est à l'occasion d'une exposition, donc l'exposition de la Société des Amis des Arts de l'Hôtel de Ville de Senlis, qu'ils se retrouvent. Bonjour Séraphine. Je vois que vous avez réussi à vous faire une place dans le milieu. Une petite place, oui. Que diriez-vous si nous nous associons afin de vous permettre de vous épanouir de votre art ? Ce serait bien, mais de quelle manière voulez-vous m'aider ? Eh bien, tout simplement en finançant votre travail et en achetant quelques-uns de vos tableaux. Oui, Marie-Eugénie ? Et qu'est-ce qui lui est arrivé après ce succès ? Avec la crise économique de 1929 qui a touché le monde entier, Wilhelm n'a plus assez d'argent pour poursuivre l'achat des tableaux de Séraphine. Quand elle apprend cette nouvelle, elle commence à sombrer dans la folie. Entrez. Bonsoir. Bonsoir. Vous vouliez me voir, monsieur ? Oui, venez vous asseoir. Voilà, j'ai quelque chose à vous annoncer. Ça ne va pas être facile pour vous, mais... Mais quoi ? Je ne peux plus financer vos travaux. Quoi ? Mais c'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Madame ? Oui, Grégoire ? Comment elle est morte ? Sous l'occupation allemande, les asiles sont très mal entretenus. Les conditions de vie sont médiocres. La famine se propage dans les chambres et les malades succombent rapidement. Séraphine en fait partie. Elle est morte de faim, seule, dans sa folie.